Voilà, donc assalamu alaykum wa rahmatullah may nuyu ñep di ziyad di nuyu yow di res jiter ci rafetlu aussi également ci invitation bi di nuyu ma bokkal plateau yëpp di ñaan yalla jamm di wax la man la Baye Moustapha représentant AMPM association mauritanienne pour la protection de la mère et de l'enfant tay ñëf ñoon téwal leen pour wax leen un peu ci domaine du cancer du sein amna solo lool fa tabarakallah dal leen ak jamm madame Hausa fukki atak juroom ñaar bi mbir mi doore réwmi nak am ci taxaway yu am solo alors lan ngay jukki ci wèr wi ak naka la taxawé waaw merci beaucoup Idriss buñu né cancer du sein wax octobre rose couleur biñ ci dakantalé rek woné na né jigen ñi lañu cibler particulièrement ndax ku wax rose gessu gis jigen voilà mu nek nak fièvre bi nga xamanteni xeyna metti na trop te beure na it ci adina bi limuy fat ci domaine adama beure trop fi ci Mauritanie ñu war am pour di ci waxtane parce que comme ningo juké légui les pays en voie de développement buñ koy wax dañ ci compter Mauritanie mu nek dëkk bi nga xamanteni aussi dafa nek en reste par rapport à beaucoup de choses ci walu wërgu yaram ñu nek ñun tamit ay domaine Mauritanie nga xamanteni fi lañu juddo fi lañu maggé xamuñu fenn fudul fi fi lañu jàngé kon ñun tay buñu waré tekki wara jëriñ defna dëkk bi mo wara nek suñu cible numéro 1 dëkk la ñu taxaw ci taxawayu wërgu yaram di liggéey ci li nga xamanteni moy santé global particulièrement ak santé de la mère et l'enfant ku wax mère et enfant nak yoy yep da fay dugg ci cancer du sein nek fièvre bi nga xamanteni depuis ay ati at mi ngi fat lu beure man nek ma nek ki nga xamanteni je suis au niveau d'AGD depuis plus de 3 ans ñu ubbi sen centre de santé pour la protection de la mère et l'enfant ñu def santé sexuelle et reproductive des jeunes et la santé reproductive de la mère et de l'enfant ñu liggéey ci la planification familiale di liggéey ci lepp li nga xamanteni moy les infections sexuellement transmissibles aussi ñu liggéey ci li nga xamanteni moy domaine VIH mais octobre rose dafa don activité bi nga xamanteni chaque année depuis que je suis là quand même dañ koy organiser diko organiser ndok yeneenu domaine rew mi nga xamanteni dañuy jox loxo ñu andan ndok ñom ci bis bobu def ci ay consultations yi nga xamanteni c'est des consultations gratuites def ci ay dons de médicaments def ci ay tests de dépistage VIH diabète et malnutrition yépp jëmele ko ci askan bi nga xamanteni xeyna neew ju doole ye ci ëpp mais cancer bi dafa don bi nga xamanteni mom moñu taxawal te moñu interpeller particulièrement ci bis bi ñu nara def ñu war ci def autopalpation nar ci def sensibilisation nar ci def référence mais ñu nar ci def aussi dépistage bi nga xamanteni daf ñuy permettre repérer les cas suspects ak référer surtout les cas suspects et suivre effectivement defé na ni mi ngi léragum ndax amna solo di remercier aussi wa AGD muy l'association des gestionnaires pour le développement doli comme ci rew mi waye lim fi lim yep am solo jëm ci yenn ci jangoro yi nga xamni bo xolé tay ji contexte yi jéggina dayo lol ci rew mi alors bravo abou dinañ delu ci wat alors ramatoulay limoko laaj la lay laaj 17 ans aujourd'hui jogté fi jogé fenen mais nous en Mauritanie nous avons un contexte particulier par rapport à ce qui se passe dans le monde alors entre la création de ce mois international pour la sensibilisation du cancer du sein. Deux fois, il y a eu un but de dal ci suñu. Alors, si nous parlons autour de ça, le contexte que vous savez, la recevabilité, comment est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit? Donc, avant tout, je vais représenter Lions Club. Lions Club. Je vais dire Lions Club les cinq causes que nous combattons. Combattre. La faim, la malnutrition. Je vais aussi le cancer infantile, aussi dans le Kibouba. Et l'environnement, le diabète. Et aussi la malnutrition. Donc voilà, donc cancer du sein nek lo xamanteni c'est un fléau social, fléau mondial di toucher jigen yi et cancer du col de l'utérus aussi. Donc si mois d'octobre on parle de cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Donc 14% de la population mauritanienne plus particulièrement les femmes souffrent du cancer du sein. Dañ ko am 1458 cas par année. 1458 cas par année. Dañ ko
journée ak ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñatt djegina dayo ci note shot wala ci globalement ci partout en Mauritanie globalement waaw donc lolu aussi nek vraiment parce que 14% aussi barena donc nek vraiment quelque chose nga xamanteni ça doit interpeller tout le monde les associations ak ñi nek ci walu santé ak tamit journalistes yi donc ñep dañu wara def des sensibilisations concernant ce mois. Parce que le cancer du sein, bu ñëwé da fay bay ci ay séquelles, par exemple da fay traumatiser déjà le fait que nga xamni yaangi and ak cancer, le fait que nga xamni psychologiquement le fait que nga xamni sa wène dañ koy dag, et donc c'est un manque quoi. Donc du coup dama contexte bi dal lima ci ki seytu moy nit yi gën jappalanté information bi gëna passé, c'est pas un sujet tabou. Donc ni am cancer waruñu leen stigmatiser, dañ leen wara accompagner, di leen dimbali, di leen jappalé ba ñu mëna mucc ci cancer, def sen ay chimiothérapie, sen ay radiothérapie, même bu féké dañuy dindi sein bi, ñu dag sein bi, comme ça borom am mëna dund. Donc damay wax ni cancer c'est pas du lo xamanteni dafa ki dafa grave tellement xala mo bi rek mo grave mais suñ ko dépisté tel ñu prise en charge bi nek prise en charge vraiment bu am important donc la personne elle peut vraiment survivre à ça leer na yakarna ñu ngi sant yalla bi ñu joxe li bi nga xamni rew mi ci la tollu mais c'est alarmant jok warna raison pour laquelle ñuy jaajeufal jok bi ngeen jok ñu fassiyene jëm aussi ci ay bis ci am solo Aoussa Khaouna Sidiar, d'une entité à l'OCD. Mais monsieur Ba, quand vous vous occupez de la santé de la mère et de l'enfant, c'est encore quelque chose de grandiose par rapport à la société. Effectivement. Alors, bien au niveau de votre structure, vous pouvez en parler parce que c'est une occasion. Quoi vous faites, on y reviendra avec les autres, Ramotlaï Khaouna Sidiar. Mais comment vous percevez ce mois-là? Voilà, donc dirais nous et di ñëwaat ci octobre rose. Alors avant ñëw ci rose, alors il fallait du rose hein, parce que elle on n'a pas vous voyez hier ben moment j'ai pensé porter du rose en guise de solidarité mais elle fait un appel déjà excuse-moi monsieur Ba, elle représente l'Afrique en tout cas, elle reflète toutes les cultures vraiment, elle mourait rose. Donc, elles sont en train de nous battre. Hein. Il faut se sortir ailleurs. Inch'Allah. Peut-être dans la discussion. Effectivement, Inch'Allah. Voilà, donc, pour l'association BDI MPME, moi, je suis un courrier de la boue à Khagelef ou Djigeni, surtout à Ndaouni. Nous sommes pour Djigeni, nous avons subi des violences et faibles. Nous avons un accompagnement, surtout des familles vulnérables. Nous avons un taille, c'est un dollar à main de mes noms. Si nous avons intervenu, nous avons un peu de faibles, nous avons un peu de faibles, une situation un peu difficile. Nous avons des violences, nous avons des gens qui sont dans le cœur. Nous avons des gens qui sont dans le cœur. Nous avons des gens qui sont dans le cœur. Nous avons des violences dans le cœur. Amana tamul fum koy joye am fum koy waxe leg ñun genre kay mëna buñ ko yeggé dañuy dem intervenir voilà intervenir nak pas ak yeen affaire mais ak waxtaan premièrement ñu waxtaan ak ki nga xamanteni mom la ko sékkal xol na lay ci intervenir ñu mëna rafété pour ñu mëna parce que jigen aussi tamit du objet bo xamanteni ni dañ koy japp diko toroxal wala japp diko maltraiter rawati na xalé def na lo xamanteni jigen attanu ko xalé kenn waxtu lay waxam donc association à la base c'est ci lool xex ak gelefu jigen ni. Donc, quand on parle d'Octobre Rose, comme ça, on parle d'Octobre Rose, Rose parle d'une femme particulièrement, et aussi Octobre Rose parle de cancer du sein. Le cancer du sein, c'est qu'il y a beaucoup de faibles qui sont plus. Et surtout ici en Afrique, je peux dire bien, en Mauritanie plus, que parfois, il y a une négligence aussi, d'un temps où il y a une chose maintenant, négligence, parce qu'il y a des gens qui ont aussi commencé à avoir un signe. Amana sax xamagul lan la exactement mais il faut mu dal pour nga xam importance il faut mu dal pour nga xam legui ni dañuy am ben signe bo xamanteni mi ngi sawen nga yekku muy metti nga gis ben ay satama joge fele wala ben mala joge fele def ci fudan ki nan la ay def ci ay kew ki nan def ci ay à la base yo do dem hôpital pour nga xol li la moko waral mais da ngay deggul conseil yi nga xamanteni tay mi ngi joge sa koñ ki nan la def ci li ki nan def ci à la base après ci bir affaire day nek di togu ci bir bu magi après day nek day tollu ben stade bo xamanteni di nek stade bu grave donc cancer du sein nekul lo xamanteni aussi war na tisal doom adama bi ay signe la yo xamanteni day ñew te signe aussi ça ne va pas dire que signe ba dalé rek que da nga am cancer non ce cancer du ñun ñoy wax nit ki da nga am cancer wala mo cancer li la mëna wax moy amna yenn signe yo xamanteni boko gisé daw sétimam nga daw sétimamographie dem hôpital
dem sa gynécologue mu xol la ba xam ni li mo aussi du ñew rek wax la ni li cancer la mais dina ñew xol la defal la ay consultation defal la radio defal la télé defal la lepp lo xam tay war na ci pour mu mënd wax ni li cancer la wala du cancer voilà donc le plus important que ñun surtout les femmes parce que cancer du sein généralement jigen lay dal te jigen aussi dafa am âge bo xam tane fofu le gëna mëna jappé nit ki amna âge yo xam tane peut-être dina am waye aussi néwna par rapport ak âge ci kaw manam à partir de 55 ans wala 50 ans jëm kaw lolu aussi ñom ñoo gën exposé wu ah oui voilà ñom ñoo gën exposé wu par rapport parce que 25 ans à partir de 25 ans jëm kaw le mais 25 ans aussi depuis cancer amé ba légui defena ben cas lañ ci mësa am c'était au niveau ñaar fukki attaque juroom ben cas c'était au niveau de Belgique defena fofu lañ détecté won mais depuis lors amugul ben cas bo xamanté ni bo mo gëna wacce 25 ans à partir de 50 ans 55 ans jëm kaw ñom ñoo gën exposé voilà donc avant ñu ñëw ci signe peut-être bou après bo defaté tour dina ñëwaat ci signe wax ci les causes wax yo xamanté lepp lo mo amna solo fi nga danalé amna solo wax da fay neex toujours buñuy dégg ay lim parce que moy contexte on remercie encore une fois madame Aïcha Wall la présidente de AMV CG c'est une association mieux vivre avec le cancer gynécologique en Mauritanie mom mi ngi def actuellement le tour au Trarza diko bégué diko ñaanal drassu Trarza ak ñenn ci autorité yi ñu bok ci mazet ñing ko gungé muy def ay séances de sensibilisation ak ay formation ñu bégg ko alors hausa xam nga fagaru dafa am solo mbokk mi jaar na ci tranche d'âge nga xamné mom ngay am pour mu dal wala ben cas ci âge mineur bon pas mineur mais 25 ans sey nga wala seyego dinañ ci xam dara en tout cas moi je ne suis pas un spécialiste comme nombreux mauritanais yi nga xamné ñu ngi sétane alors naka la ñëwé ci doomu adama cancer du sein bon merci aux collègues qui ont déjà parlé ni muy ñëwé ci doomu adama il y a plusieurs facteurs il y a plusieurs am ku nek amna nu muy ñëwé ci yow ku nek amna num lay feñon mais man témoignage lay joxé parce que je l'ai vécu deux fois dans ma famille ah oui l'une était ma belle-sœur et on a accouché ensemble mu am problème bobu ñu dag wène bi man ma nampal domam kenen ki c'était ma petite sœur elle est décédée en septembre l'année passée à l'âge de 28 ans 28 ans elle a laissé trois enfants mu don li nga xamanteni dafa doy war elle ça a commencé par des signes comme nim ko waxé des ganglions aux aisselles une boule dans les seins mais dafa don ay cellules mon cancer ay cellules la cellules yu multiplié wu ci corps nit ki mais ci wène bi dafa am ben niveau bi nga xamanteni mom lay jëwé soit pour def une boule bi nga xamanteni soit des durcures stagné def ganglion ci pokotane bi ba paré mamelon bi fi nga xamanteni mom la borom di nampalé day dem ba dugat avec des douleurs day dem ba dugat quand on dit douleur on dit malheur ah oui quand on parle douleur rime avec malheur parce que dès qu'il y a douleur ça veut dire qu'il y a infection amna excès mais bu nekké ci niveau signe day signe yoy lay joxé bu démé nak ba borom mamelon di xelli lu mel mbeur wala lu mel ndox té borom nampalul warna mëna juk saytu ji xolaat bopam mais warul bayyi sax ba yegg fofu parce que jigen bu gisé mbax ci période bi muy wara gis mbax c'est normal wénam day metti wala xaw mel lu néwi wala xaw mu xaw yaramam xawa tang ci période bobu mënu ci def diagnostic bi mais bu démé ba gis mbax ba set liko war moy taxaw jigen ji dafa wara taxaw ci kanamu setu bi yëkëti loxom ndey jor ci kawa kaw ba mu taxaw mu lambatu wénam lambatu ko bamu daj lu dayna 5 minutes ba ci pokotan bi budé amna lu mu daj li nga xamanteni nekul won ci wénam wala yagu tamul diko gis lolou war nako meuna yobbu ci docteur saytu ji donc non lay feñu nit ki pour mu meuna dem ci docteur
xol li nga xamanteni est ce mom la wala du mom yenn say nak nit def ko tassante kyste yenn say nit def ko tassante ak ben inflammation rek bi nga xamanteni c'est passager ça ne veut pas toujours dire que c'est un cancer mais il est bien que jigen ji fu mu tollu rek di saytu yaramam xam yaramam connaître son corps en particulier ba lepp li nga xamanteni feñ na ci bagn la bet amna solo dépendant di lerr na motax tek lañu def diko deglu amna solo mais amna fu kenn ci yeen ñaar waxe cadre ciaganté moy bayeku dal xam nga mom def ci jaar waxna jogté fi mais nga sagan par exemple mu bañ c'est ya l'aspect préventif quand même mais ciaganté bi da ngeen ko ragné ci aji soxna yi négligence bien sûr parce que man négligence mais dama wax par exemple niski dafa ragal ga gis dara bon amna négligence amna ñak xam amna ragal aussi amna ragal par exemple ga gis ben boule ci sa yaram ci sa wène nga ni non man suma démé dañ may wax amna cancer la plupart des gens lool motax ñuy nek di xaar alors que do xaar comme ni que sama collègue waxé mën nga dem féké ben kyste la sino aussi féké infection la parce que ñi di faral di jël ay contraceptif oraux des fois dañuy am problème bobu dañuy gis ay boule au niveau du sein mais buñu démé première chose li lén di laaj est-ce que da nga jël contraception après lool aussi c'est juste des infections contraception waaw les contraceptifs oraux moy li ngay jël pour def par exemple pilule yi ngay jël pour espacer sa naissance planification familiale OK lolou day falloir di may ay infection au niveau du sein tout récemment am nañu ben patiente bu ki nonou def na mammographie def na échographie et tout mais amul ben problème c'est juste que dafa jël contraception lu yag donc ñu ni ko nak arrêter et puis bu ko arrêter et bu di disparaître voilà gis na contraception jël nak lu yag pendant combien d'années 10 ans Ah oui? Lutar? Dans quoi t'as clé? Parce que demain, il y a un domaine. Elle est responsable du centre de santé d'AGD. Il faut que tu aies une charte, il faut que je m'en aille. Les contraceptions, beaucoup de gens ont 10 ans. Il faut que tu aies un domaine. Si tu décides de faire un domaine, il y a un domaine. Demain, tu fais un brin, tu fais un stérilé. Ba nga def une ablation totale demal dindi utérus bi nga nopal c'est très simple mais nga jël contraception pendant 10 ans mu jural la lu ne ci sa bir yaram tay sa yaram day tang suba sa yaram day metti gannaaw suba sa fi dafa newi donc yow yaangi fièvre sa bop te yeguloko contraception lan la ay garab la garab yoyu dafa am ay composantes bu demé ba beure ci système immunitaire nit ki da fay am lu muy jur donc faut pas en abuser en réalité voilà mën nga continuer parce que dafa la taclé ouais dama taclé c'est important aussi ouais jël na ke 10 ans donc du coup contraceptif oraux, ça fait partie aussi des facteurs de risque du cancer du sein. Ah oui? Comme par exemple aussi on a d'autres facteurs de risque qui nga xamanteni moy voir ses nga gis mbax avant 12 ans wala nga arrêter sa mbax après 55 ans wala lo xamanteni nga yex am dom par exemple nga am 30 ans wala 32 ans doora am sa premier dom lolu aussi c'est des facteurs de risque wala tourbi ak lek consommer beaucoup de graisse et tout ça aussi ça fait partie des facteurs de risque donc cancer du sein par exemple amna ñaari type de cancer du sein amna ce qu'on appelle cancer du sein lobulaire yo xamanteni cancer du sibir lobule yi lay nek lobule yi moy parti bi nga xamanteni sow bi fofu lañ koy fabriquer mu nek ci wénu jigen amna aussi un autre cancer buñuy wax cancer canalaire bi aussi cancer bo xamanteni ci canal yi moy fi sow bi di jaar waaw lolu c'est un cancer canalaire mais cancer lobulaire bi mo gëna bari presque tous les cancers chez la femme cancer lobulaire la mais cancer canalaire existe mais c'est très rare cancer lobulaire bi moy dévastatrice parce que mo gëna bari donc du coup nit dafa wara jangat yaramam comme niñ ko waxé ni des fois amna la peur par exemple nga gis dara nga ragal wala nga gis dara nga ni ah ça c'est passager et tout ça alors que non ça peut être quelque chose de grave donc mieux vaut nga dem nga def comme ni que sama collègue waxé autopalpation dang ko def une fois
après les règles. Par exemple, une fois dans le mois. Fait que ce corps c'est plus détendu, fait que c'est bien nettoyé. Donc, une fois, on a déjà accès tout. Je le sais, n'importe quel ami, des fois, on parle passion. Qui se porte tant bien, on fait que amoulai ganglion et tout ça. Les bois, par exemple, si tu remarques quoi que ce soit, il faut une structure sanitaire pour faire ce qu'on appelle ben qui mammographie. Donc, mammographie, n'est que le moyen le plus facile. Pour détecter les en Mauritanie. C'est plus accessible. On fait maman, après on fait écho, après les dans les orienter au niveau de l'oncologie pour prise en charge et tout ça. Mais M. Bad, c'est un paquet important. Hein? Très important. Mais dans par exemple la riposte, on vous encourage vraiment. Mais est-ce que cette langue, Réumi, Agdoctéfi, surtout le ministère de la Santé, est-ce que Santir Ngenlen, qui est Agdoctéfi, qui est un peu plus, surtout le Demti, Fanou, qui est un cancer du sein. Il faut mettre, hein, et puis il y a des risques énormes. Est-ce que Santir Ngenlen. Avant, causé le cancer du sein, signe comme c'est mon mauvais bonne signe en fait c'est ben genre du n'a pas voilà ben genre boss il y a pas n'est sur les essais lignes à que souffre ben tout ça et voilà moi il y a plus de gens qui n'ont jamais point c'est très essentiel pour les c'est très important parce que moi l'ol ne signifie pas que cancer là mais c'est très important nous avons c'est le médecin. Voilà, donc pour affaire du ministère de la Santé, je suis le plus pour la société civile. Personnellement, peut-être c'est personnel. La société civile, les jeunes, les associations, les ONG, nous intervenons ces gens maintenant. Peut-être le ministère de la Santé, peut-être aussi moi, surtout la sensibilisation c'est très important parce que nous peut-être nous avons en charge des personnes mais nous avons quand même rien à mettre ni mon mot indi nous mettons tout quoi rien à mettre ni taille bon beaucoup qui c'est mon mot ouais ni peut-être en phase de cancer et tout cela c'est très important les ministères de mon rôle en ramener quoi demande ma qui va taille nous voilà mais personnellement on a vu du rose presque dans la plupart des localités du pays hein. Pour égaler parce que c'était du 17 là, le 22 sensibilisation après là inchallah le 19 amener nous inchallah de consultation sur le diabète avec les VIH et les autres inchallah madame Haoussa qui parle de dépistage peut parler de prévention mais ça demande quoi là à quoi ngén djem lan ngén bëgg exactement pour justement arriver à faire un dépistage très important parce que doyna war hein, je pense aussi aux femmes qui sont très qui vivent dans les zones très reculées quoi qu'est-ce qu'elles font avec ça ceux qui sont en tout dans cas hein? Voilà merci monsieur Wad de me revenir un peu sur la question que vous posez légui avec le ministère de la Santé moi je pense que chacun est en train de jouer son rôle pleinement parce qu'un gouvernement ne peut pas te donner plus que de l'infrastructure et de la prestation nous dañu santé yalla amna ñu oncologie une grande hôpital dans laquelle aujourd'hui on reçoit même des références des autres pays, dans le cadre du cancer. On a celle de Nouakchott et celle de Nouadhibo. Et on est fiers de ça. Mais le problème qui se pose, c'est la communication. Communication. Il faudra communiquer là où il le faut. En temps réel, exactement. Nous, la société civile, nous avons fait ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas.
La société civile doit inclure tout ce qu'on appelle la masse média. Mm-hmm. Nul rec, dans l'ombre, d'oudem. Mm-hmm. Il nous faut la couverture médiatique essentielle mm-hmm. pour que la population puisse avoir l'information en temps réel. Mm-hmm. Avec l'information, bien, c'est la bonne information. Mm-hmm. Voilà. Ce que vous avez dit, tu peux revenir sur la question. Oui, quand on parle de dépistage, voilà. On parle aussi de prévention. Exactement. Alors, fan ngeen dem Fagaro gën fadiou. Man deug la. Ñu ngi dem le 29 octobre di journée bi nga xamanteni mi ngi bëgg nek ADA ak jikoy AGD. Mais cette année, on est parti d'un point beaucoup plus particulier. Dañu organiser la JN, la journée nationale pour exposer tout ce que AGD fait. Depuis sa création le 22 juillet 2003, AGD a fait beaucoup de réalisations et il œuvre dans beaucoup de domaines. Et tous ces paramètres sont à éplucher le 29, Inch'Allah. Il y aura une grande exposition, une panel et surtout une conférence par rapport au cancer du sein. Mais il y aura aussi plusieurs dépistages. Il y aura d'abord le dépistage du cancer du sein, qui est l'octobre rose. Il y aura le dépistage du VIH, qui est notre activité phare en tant qu'activiste de la société civile. Il y aura le dépistage du diabète, qui est en parallèle. Et il y aura aussi le dépistage de la malnutrition. La consultation gynécologique, qui est essentielle dans le cadre de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, et aussi une consultation générale pour de faire une faveur à la population et une distribution des médicaments gratuits. Ah oui, mais c'est important. Voilà. À quel point là? Vous serez où là? Nous serons pour que je puisse être debout, hein, parce à, que c'est à notre important. Siège, à notre siège au niveau de l'épicerie verte Couva. Voilà. C'est important. Vous avez choisi la banlieue là, le quartier reculé. Voilà. Justement là-bas, le point est important. Voilà, on est allé nous implanter au milieu des nécessiteux. Au milieu vulnérable. Au milieu des nécessiteux. Parce que c'est des zones où peut-être quand la personne a besoin d'un hôpital la nuit, il ne peut pas bouger. Parce que, c'est des zones engangrenées par la délinquance. Et surtout aussi le problème aussi des déplacements, le transport et autres. Et aussi le pouvoir d'achat. Des médicaments est très réduit. On a beaucoup de migrants, on a beaucoup de personnes vulnérables dans ces zones-là qui n'ont vraiment, vraiment, vraiment pas de quoi. Parce que dangay fekk nit ci keur mu teud fe bar ba mënul jog. Ngën ko lutax mu la bëgg na dem, waye buma amé pass amu luma jëndé garab. Wala buma amé luma jëndé garab amu luma fayé docteur. Wala buma démé ci keur docteur amana sax duma ko fa fekk ndax dama na retardé heure bima fi joggé ba yegg fi mu jëm day fekk docteur ba wacc na dem na donc ça fait très 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 mal de vivre des situations pareilles demna une activité j'étais venue juste pour une sensibilisation dans la zone c'était tellement reculé au fond fin de Dar el Bedda aujourd'hui ils sont encerclés d'eau fofu aussi war nañ fa wax parce que fièvre yaangi jog ndox yu taw yu bari mi ngi wundu lu bari c'est important voilà je rentre dans une maison où je descendais juste de la voiture une femme m'accouche en plein pied oui pourquoi parce que elle est bien malheureuse et bien tombée à la fois voilà. Quand elle tombe voilà je gare la voiture elle expulse l'enfant ñu yëkëti ko mom ak xalé bi yépp def ci auto bi jëm hôpital faute de moyens ki dem jëli ju auto dem na yagagul sax xeyna fi mu wara amé auto vous voyez donc c'est un peu difficile c'est vrai que la sensibilisation n'est pas assez suffisante pour ces personnes nga xamné da nga nek ci milieu reculé bo démé ba nga xamanteni egg nga ci yenn état bi ah rapproche-toi de l'hôpital outeul mbokk bu jégué hôpital quelque chose comme ça nga ñëw nek fofu mais aussi ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à recevoir du ñëpp ñoo prêts à recevoir donc ñi vulnérable tay ñom ñoo tax ñu dem implanter wu ci milieu bo effectivement c'est important. Alors le ñaar kufan ak djom ñent inshallah rabbi tel rek ku ñop tel gen tel jog rek tel pare alors bravo monsieur Diop hein ñing koy bégué aussi hein monsieur Diop Ali président chapeau à lui et mention spéciale à lui oui vraiment voilà. Un grand monsieur voilà. Du taille du bail donc adina non il revient toujours à la charge ah oui vraiment voilà donc du coup bégué hein du bogué yenn association yu on a parlé de la société civile mauritanienne qui est tout à fait debout hein vraiment mention spéciale à elle et que yalla dolelen mais Ramatoulaye j'ai juste un problème avec Aoussa dommage la nan la mais elle parle juste de tout ce que AGD fait par rapport à tout ça mais vous aussi il y a ce club da ngal len di fekki wala vous avez quelque chose de particulier développer tout il y a ce club Lyon's club nek ben courel bo xamanteni où est-ce qu'elle est la maman Kumba Betty là la brave ngi fi vraiment diko beggé hein
Donc l'Lions Club nak ki kurel bo xamanteni mu ngi gis aduna 1917 aux États-Unis Ohio plus précisément par un certain Melvin Jones. Donc mu ngi implanté en Mauritanie en 1975. Jot nañ am ay imminent membres comme Mariamoul Dada, comme Bass Leyman Alpha, comme Tijane Diagana, Babacar Sile et comme le frère de Oul Dada. Ultaya, du moins. Oui. Donc, du coup, il y a des membres importants au cours de leur fondation. Les Lions Club ont combattu les causes de l'Imlawakhli, par exemple l'environnement. Ils ont fait des plantations d'arbres au niveau des écoles, au niveau des ruelles. Ils ont aussi une association pour une association de lutte contre le cancer infantile, clinique Shiva Mokoubi. Donc on est en collaboration avec eux. À chaque fois, nous devons rendre visite les enfants, apporter des cadeaux et tout ça, faire un peu de bénévolat. Nous avons aussi essayé tout ce qu'on appelle le diabète. On est en collaboration avec SOS Diabète. Construire une hôpital, un hôpital pour recevoir cas diabète. Ici, là. Des journées de dépistage. Aussi nous avons combattre ce qu'on appelle la vue, par exemple nous avons la cécité ou le problème de vision. Nous avons organisé des journées de sensibilisation, des journées de consultation gratuites. Consulter, bah, par exemple, les lunettes. Donc tout récemment, ils ont construit un hôpital de vue. Donc c'est toujours fonctionnel. Ils ont aussi construit une école. Donc Lions Club n'est qu'association bo xamanteni c'est international. Amnañ aussi ce qu'on appelle les Léo. Léo, ils sont très actifs et ils font vraiment un très très bon travail. Machallah. Mais Léo, je m'arrête juste là-bas. Voilà. Man damay dégg Lions Club ak Léo. Léo. Voilà. C'est quoi là au juste? Donc Lions Club moi. Le Léo quoi? Le Léo mo xamanteni par exemple yaangi am 18 ans, jëm ay 30 ans yoy da ngay nek Léo parce que ya gëna actif. Peut-être que tu es plus réceptif à faire certaines choses. Donc, à partir de 30 ans, Djemkao, on appelle ça Lyon. Donc, les Lyons et les Léo, ben club la rec, mais ils sont en partenariat. Donc, espace jeune, quoi. Ouais, il y a un link intergénérationnel. Voilà. Si vous prenez en compte. Oui, tacle what, quoi. Elle est Lyon, moi je suis Lyon de cœur. D'accord. J'ai été Léo, c'est qu'elle n'a pas été. Ah oui? Ouais. Leadership, expérience et opportunité, c'est comme ça qu'on appelle les Léo. C'est des jeunes leaders qui sont pleins de valeur et pleins surtout de dynamisme. On est parti d'un pas pour devenir. Quand on veut devenir, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Raison pour laquelle les Léo sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus actifs sur le terrain. Moi, j'ai été Léo dans les années 2003 jusqu'en 2012. Et j'ai intégré le club Caravane en tant que Lyon jusqu'en 2019-2020. Je suis sortie. Fière de l'avoir été parce que j'ai encore la tête haute. Lyon de cœur, Lyon un jour, Lyon toujours. Voilà, parce que là où il y a un service, il y a un Lyon. Moi, je le reste dans le cœur. Bien que j'ai quitté les clubs, elle reste encore Lyon. Ce n'est pas parce que beaucoup me disent, je n'ai pas d'expérience, mais j'ai des lives togal. Vraiment, on va passer à. Oui, Amna Solo, en tout cas. Mais tu ne m'as pas dit exactement si est-ce que vous voulez rejoindre le 29 Tu l'as donné, parce que le 29, on est en collaboration avec eux, Léo Lyon, avec les AMPF. Ak AGD dañu def ben journée ben link waaw ben link bu ki ben journée bu amna solo oui amna solo tout récemment aussi Lions Club ak Léo yi ñu ngi def ay sensibilisation dans les écoles même hier dem nañu Easy Communique def nañ fa ben genre petite formation après les gens étaient vraiment intéressés def nañ ay questions réponses donc amna ño xamanteni sax xamuñu won les signes du cancer du sein du cancer du col de l'utérus donc les élèves étaient intéressés par ça def nañu ben questions-réponses, nous partageons. Et nous serons aussi dans d'autres écoles, Inch'Allah, avant moi, Bidjia. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, monsieur Ba, il ne faut pas nous laisser... C'est intéressant, j'aime bien quand tu vois des femmes qui sont là en train de défendre des causes. Des braves, des braves dames. C'est très important. Oui. Voilà, aussi, pour juste une collaboration, on est en collaboration avec AGT, avec les DUO, avec Santé Globale et d'autres. Pour caravane de sensibilisation Santé globale de Pape-Cadet Cameroun. Voilà. Que je salue. Hier, nous étions ensemble sur le terrain. Que je le salue au passage.
Et voilà, qui, elle a touché un point très essentiel, point bon, comme des développements, moi côté les femmes, surtout les familles vulnérables, en plein milieu des quartiers un peu vulnérables et tout. Il y a déjà, il y a des femmes qui souffrent là-bas, il y a des familles qui souffrent. Il y en a même des jeunes qui ont des problèmes de vie. Là, c'est quelque chose bien compris, ça m'a touché parce que y a grand terrain, y a grand dame des rôles et familles, y a grand dame des y a une situation compliquée. Parfois, de manière très bien, nos familles ont tout et finalement je sors parce que on me colle beaucoup. Voilà, je suis tellement faible, je suis sensible que amener y a une grande dame mon gis. Mais quand ça touche les hommes, c'est encore mieux. C'est quand tu mets tes gourmands. En fait, c'est difficile. Man, en fait, man, je suis pas féministe, mais man a beaucoup moins de beaucoup moins de jigen bouy dund lu nakar wala mo dund lu metti comprend lolu da fay nek ay affaire yu metti ah ouais voilà c'est ça mais j'en passe sinon on comprend comme monsieur Baye complètement rek bul def ni ma def oui c'est ça oui moi j'étais vu aussi ailleurs quoi oui c'est ça dafa metti y a des gens qui souffrent voilà il faut aussi que gay wati jappelé nit yi surtout dans les hôpitaux ñu dem fofu xol ñi xam dañ tay sont dans le besoin ñu jëm leen jappelé c'est ay garab jappelé c'est ay médicaments aussi les associations les ONG yi xam tay am nañu tay doolé bi aussi nañu gëstu nit yi di leen jappelé ci def ci genre comme ay dañuy def ay journée de consultation ay mel non xol nit yi joxe leen garab yi xam tay mom lañ soxla c'est très important lolu té aussi apport la pour ñu amane am ñu xam tay xam nga nak monsieur ba man xam nga ben koreul à chaque fois dama koy tek bot quoi dans le cadre de l'appui ou bien même de l'assistance le patronat mauritanien xam nga amna ay xëtt yu bari yo xamni vraiment bu ci xam nga ni sax nous tous nous sommes en train de voyager hein man hein quand je vois ça hein mudem yow aussi nga bëgg ko top c'est autre chose c'est alarmant parce que tout simplement yéne dem cous ci ci mbokk yi ba xam nan lu ñu dundé c'est ça ouais non le à la base c'est ça il faut que nous gestu wat nit yi té ñun aussi en tant qu'association mauritanienne de la protection de mère et de l'enfant ñu ci doxé djégo té aussi amna yeneen projet xamné tay amal ñu koy togg té ñorugul ci biir association bi nga bëgg def ay comme ay centre d'écoute pour ñi nga xamné tay ñu leen ni violenté wala ñi subir ay yeneen affaire wala ñi fièvre mënu ñu faju lépp aussi ñu koy préparer ñi ngi aussi nekul rek protection du rek ci walu santé mais aussi ci xamul nit ki jangal nit ki jox ay idée y a idée de projet nga defal ko ay formation et tout ça aussi yeb bok na ci dimbal do maadu tay amna ñu bari tay ñi ngi tok amana bëgg nañ liggéey mais xam ñu ñu liggéey de rire mais bo yu jëndiki tay nga former ko nga orienter ko mom dina mëna xam na lay def c'est très important amna solo lolu aussi amna solo en tout cas Hausa dafa genn ci problème communication mom lañu ragné ci il faut nous taxaw nak quoi dans tous les secteurs il faudra nous taxaw xol saytu comment communiquer en tout cas il y a une forme de communication communautaire yo xamni itam il faut nous tagat si kurel yi sax lay wax kurel yi pour que ku meuna rek ku gëna reculer ci réew mi bo waxé mu dégg la et en divers langues ak ni muy déggé ak ni muy déggé damay déllu ci communication bobu tout parce que tout récemment on a fait une formation avec les jeunes journalistes sur le traitement de l'information. AJD a fait cette formation au niveau de l'hôtel Azalaïd le mois passé. Ouais. Et on a eu à former à peu près 12 à 10 journalistes, je pense, dans ce domaine, parce qu'il y a eu des bugs qui ont non seulement blessé les personnes qui ont été indexées, mais aussi l'entendement de la population. Parce qu'il y a une information qui avait circulé tout dernièrement au niveau de Chami, qu'il y avait beaucoup de prostitution et autres, et que le sida faisait des ravages. Cette information, on ne l'a pas appris à travers la presse mauritanienne, mais sur le journal Le Monde. Ah oui, une presse étrangère. Voilà. C'est bizarre. C'est un autre ami étranger qui nous appelle à partir du Maroc pour nous dire « Prenez le journal Le Monde et regardez le gros titre que la Mauritanie a sorti aujourd'hui. » Certes que c'est une information qui a été diffusée d'une manière ou d'une autre pour alerter ou pour attirer l'attention sur la ville, mais ça a été un peu une grave façon d'informer. Parce que le lendemain, la police a débarqué à Chami. Toutes les familles qui étaient féminines, il n'y avait que des femmes dans les maisons, ils ont raflé tout le monde. Prostituées ou pas.
Tu es dans une maison, tu es une femme, il n'y a pas d'homme, tu n'as pas de mari, tu fais partie du rafle. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème très sérieux. Donc la façon de communiquer est très importante. Très important. À travers cela, nous délouchons sur nos sujets. Il y a le patronat. Le patronat, pour moi, il faut vraiment un vrai mouvement fort et lourd pour le patronat mauritanien. Ils ont de quoi? Ils ont de quoi? Ils ne manquent pas de capacité de pouvoir faire, mais la conviction. Conviction, oui. Il faut les convaincre à faire. Qui va les convaincre? Comment les convaincre et où les convaincre? Il est important que les gens fassent des activités claires, qu'ils fassent des activités convaincantes et qu'ils soient ñom ñep ci sen wal bop indulgents. Nañu ragal Yalla. Nañu ragal Yalla ci li ñuy def. Set fiñu jëm. Fofu lo bëgg wax. Nañu ragal Yalla. Nañu ragal Yalla ci li ñuy def parce que mën nañu yëkëti kurelu patronat tay mu def ci lolu ak lolu pour prendre en charge les vulnérables. Fekk ki ñu jital du def li ñu wara def. Effectivement. Du def li ñu wara def. Donc fofu lañu wara dello suñu xel, dello suñu xel ci Yalla te xamni ñun ñëpp dañ fiy joggé. Lépp lo ci mënta jëlé suba ba ngon jot dina jëriñ. Amna solo. Kérok bo fi joggé juroom ñaari mètre percale yi lay gungé sax amana keneen mo koy jënd mur lako. Kon nit buñ la dénké da ngay jup te jubal. Il est important que buñu taxawé di wax waxu patronat li ñu nara indil patronat na noor lu leer te li ñu patronat nara denk nañ ko jaarale fi mu wara jaar jëm fiñ ko war jëm jëmale ko fu mu wara jëm deug la lool moy deug te lool moy yaq dekk bi tay ba tax ku nek ragal wa way ñepp bëgg nañu def mais dañu ragal parce que def li nga xamanteni fi mu wara dem du fa dem mais sot moy sot ci saaku bu am ñaari jaaru way soti ci kaw mu jaar ci suuf jaar ci suuf dafa do war bo bu yagge ken do def alors je reviens ci yow pour nga tej mais ramatoulay man dafa am ben question bu ñew sama mbop alors cancer du sein une question ouverte da ngay am njabot mu dal la wala da ngay nek mineur meun na la dal ban stade lay gëna dalé aji soxna yi d'accord donc cancer du sein mo ngi lay dal à partir jar les supérieurs de 50 ans motax ñuy wax à partir de 50 ans au-delà de 50 ans wa ñom ñoo gëna ñom ñoo gëna exposé wu mais comme ni que sama collègue waxé récemment recensé nañu ay cas de cancer à partir de 25 ans donc da ngeen di alerté walé wa da ngeen 25 ans donc dañuy alerté waté donc à partir de 30 ans wala à partir de 25 ans jigen day def ay def dépistage ba paré def mammographie mais par exemple comme li nga wax féké sa famille amna ko mën nga ko am peut être héréditaire héréditaire wa amna ben ki gène bo xamanteni dañ kay appeler le gène BRCA1 ak gène BRCA2 donc ces gènes là ce sont des gènes cancérigènes quelqu'un qui l'hérite par exemple de ses parents mën nako wala ay domam wala ay setam donc c'est un gène cancérigène donc ñoo dépister aussi cancer du sein affaire jigen mais 1% des cancers aussi du sein ça touche les hommes ah oui oui amna ay gor yo xamanteni 1% on a failli omettre ce point hein ouais 1% signant xam nga ñun dañuy defo les hommes ouais bari wul fi ñun fi cause bi par exemple moy les gènes BRCA1 ak BRCA2 par exemple bok amé yo nga nek gor l'hérédité waaw l'hérédité mën nga ko am sino aussi à l'extérieur amna ay gor yo xamanteni yalla mussel ci kayo dañu jël ay hormones pour bëgg am ay forme et tout ça donc ñoñu aussi voilà wala def ay implant mammaire wala def ay implant mammaire yoyu aussi c'est des cas yi nga xamanteni recensé nañ ko ci 1% ci 1% donc cancer du sein bu ñew ci comme ni que les causes par exemple tu as une boule au niveau du sein donc il faut voir boule bi est-ce que c'est dur est-ce que c'est mal limité ça bouge voilà c'est fixe nga xol aussi fekke dafa newi parce que en dehors des règles ça wène warul newi donc fekke bu newé rek ça fait partie des il y a un problème nga xol aussi ki bi qui fou muy nampé xalé bi fou muy nampé mamelon lañ koy waxé ci français on a ce qu'on appelle rétraction mamelonaire mamelon bi bu duggé ci wa ko duggé ci bir donc lool aussi ça fait partie des signes exactement voilà est-ce que mën nga tago walé da ngay wax lo bëgg wax rek nga orienter comme ça il fait la même chose ñu jéxalé wa ma ngi aussi
wax ci kaw cancer col de l'utérus parce que buñ waxé octobre rose dañuy wax cancer du sein ak cancer du col de l'utérus donc cancer du col de l'utérus ñong kay combattre Mauritanie donc gouvernement bi instauré na ben campagne de vaccination dañuy dem ci école yi di sensibiliser xalé yi du à partir de 9 ans jëm 11 ans di vacciner contre le HPV parce que cause bi moy virus le HPV papilloma virus humain donc ñong ngi sensibiliser jigéen yi di def ay projections di def ay cours de sensibilisation par rapport à ça ak vaccination donc mangi lay remercier di remercier aussi sama collègue yi toglo fi et c'était vraiment un plaisir d'avoir été dans l'émission et mangi nuyu aussi de passage Lions Club ak Leo Club. Ah oui, vraiment. Donc ils font vraiment un excellent travail et mangi len di encourager et di leur wax aussi je suis vraiment fière d'être Lyon. Ah oui. Et voilà d'être Lyon. Donc je vous remercie et je vous remercie merci. Aussi. Merci monsieur Barra rapidement là. Oui. Voilà donc je suis ici pour aussi ajouter ben point sur le mois. Tu vois le cancer du sein parfois aussi on change de couleur. Ah oui. On parce que c'est premier j'ai signé moy wax bo jagalok setu da ngay observer xol est ce que amul ben changement de couleur wala parce que c'est aussi parfois mon change couleur mon nek vert on sait parce que amna numuy fièvre amna fumuy tollu affaire mon change couleur donc yoy aussi ay signe yo xamanteni aussi mon na ci am bu wesso lol aussi man ma ngi rafetlu bax invitation bi parce que je pense que mënu wax lu beuri parce que déjà amna fi yo xamanteni machallah wax ni fi lepp machallah wax ni lepp donc ma ngi nuyu association bi di nuyu sama présidente di nuyu ñaar di nuyu yow maître monsieur Wade di nuyu ñu may déglu yépp les spectateurs di nuyu ñepp nga xam dañ tay ñi ngi tok di ñu sét vraiment monsieur Ba. Voilà. Monsieur Ba Mustapha de AMPM Association Mauritanienne pour la protection de la mère et de l'enfant. Nous sommes à Adjunta et à Gounay. En tout cas, lu am solo la suñu rew nak soxlo nako. Fatou mo Lyon ce club parce que vous télescope pas jamais entre ñaari bon de, mo voilà gaynde quoi. Ñaari gaynde bu ñu dajé mom. Ouais. Da fay am solo mais luñu may chance moy ben gayna bi xawma fu mu tollu lay retraité voilà awsa gayna bu retraité la awsa on te donne le plus de temps pour terminer et merci. Merci bravo merci. HD. Merci Idriss les gestionnaires gestionnaires pour le développement voilà bon c'est quelque chose qu'on a dans le cœur puisque notre slogan se nomme le développement social, notre quotidien. Quand on met un slogan comme ça, le développement social, notre quotidien, on ne doit pas faillir à son devoir. Vraiment. Donc merci et mention spéciale à Diop Aliyun qui a pensé à tout ça et qui nous a mis tout sur la table. De nous faire clé pour nous commencer à liguer. Ce qu'on doit faire, c'est baye bamou rafet, goblou rafet. Voilà. Donc, comme nous l'avons dit, les collègues, il y a un point que vous avez omettre sur le signe, c'est le changement de texture peau sain. Il y a un peau orange. Vous savez que le derbe est un peu plus petit. Voilà. Si vous avez dit, c'est comme genre peau orange. Voilà. Ni deru orange di mel, non lay mel. Voilà. Il fallait aussi nous souligner un peu le cancer du sein. Sinon ma ngi remercier ñi cette année ñep di len wo ci journée bi ñu am le 29 di ñaan yalla ñep am wayef ak katan ba yegg ci di ñaanal yalla Idriss Wade biñu fi wo yalla may ko gudd fanat wër gu yaram ak égalé émission bi ci kaw jamm ak salam mu yagg fi lool te wër di ñaanal yalla suñu ñi ñu yoni fi parce que budé wax deug amna ñu bari ñu nek suñu ginnaw ku melni sama directeur exécutif Cheikh Thiam di remercier ah ouais Cheikh le grand Thiam, Cheikh. Oh là là wow, un grand monsieur wow, nit ku am yéene it wax deug yalla julité trop di remercier it sama borom keur ndax moma may dolé le capitaine may ma permission mayma it de fit bi nga xamanteni mën na ci démé kanam ndax mi ngi ginnaw rew vraiment tay kuma xol ku né ndana ni ki fan la tek maquillage bi mu démé ci télé ba way sama borom keur mo ni démal oui certainement il est en train de supporter do danou voilà merci à tout le monde et merci. À bientôt wa khair tabik di len ziar allo mais dañ koy dabatal hein amat ngeen ñet duñ koy def ñet simili dañ koy jël lepp
quelque chose de solide par rapport au gouvernement mauritanien. Je fais un appel solennel et très fort, et surtout aux hommes d'affaires et des hommes entrepreneurs en Mauritanie. Il faut qu'ils se penchent du côté de la santé. Il n'y a pas que les bénéfices qui sont importants. Les bénéfices sont très importants, mais on en fait quoi? Faites-en quelque chose de positif. Les hommes mauritaniens qui sont riches et qui ont de quoi, je fais un appel solennel ici, devant tout le monde aujourd'hui. C'est un cri de cœur. Les Mauritaniens, il y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent et qui souffrent beaucoup. Certains qui souffrent des maladies infectieuses, certains qui souffrent des maladies chroniques et d'autres qui souffrent en pleine brousse, qui n'ont aucun moyen de subsistance, comme les femmes qui souffrent de fistules qui sont à l'intérieur de ce pays. Je fais un appel solennel pour que tout le monde puisse répondre à cet appel. Faites un mouvement, une caravane ne suffit pas, mais une fondation de prise en charge serait très, très, très importante et la bienvenue pour ces femmes-là. Elles n'ont pas de quoi, elles n'ont pas la possibilité, elles n'ont aucun moyen de pouvoir se soigner. Nous, comme société civile, on se donne à fond, on fait tout ce qu'on peut pour ces gens. Mais souvent, on est impuissant devant certaines situations. On est impuissant devant certaines situations. On ne peut pas laisser des familles qui auraient peut-être besoin de nous, laisser des exigences qui seraient peut-être moins importantes que la maladie de cette personne, mais aussi importantes pour l'avancée de notre activité. Mais si vous y mettez la main, je pense qu'on pourrait avancer ensemble et prendre en charge toutes ces personnes vulnérables qui ont besoin d'aide. Voilà. C'est clair en tout cas. C'est clair et alarmant aussi. Ça touche le cœur vraiment. Lolu dalnañu ci bir ci démarche émission bien parce que lu doy war la. Quand on parle de secours de cette façon, c'est encore triste vraiment, hein. Mais ce qui nous attend est que c'est toujours les pauvres qui viennent voir les pauvres. C'est grave. Effectivement. Ni nga xam ni ñoo néw doolé. Ñoo ñew toujours di comprendre ni néw doolé. Ci dakk xol rek moy top parce que nit ki lo dundul mënoko mënoko. Jërëjëf. Dafa yaangi dem fenen sax ñu dakk ko ben. Voilà, oui voilà. Donc des femmes qui s'exposent d'une autre manière, ça se passe comme ça et surtout ici à la TVM. Di bégué tout le personnel. Cameraman, Salah est à côté et l'autre, le grand Mohamed est à côté. La réalisation d'Ilen Begué. Beaucoup y a des gens qui ont été abandonnés avec Bézé. Dico Begué, il est turbulent et professionnel à la fois. Alors, beaucoup y a des gens qui ont été abandonnés avec Adji Sokhni. AGD par ici, AMP, ME pour la santé et la protection de la mère et l'enfant. Et Lyon ce club, les Léo à côté. Merci beaucoup. Mbokk yam di jam yi Ibrahim Idriss jox len dig dajé inshallah rabbi benen alarba ci yeneeni xëtt di len ñaanal jam ci réew mi ak ci aduna bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.